Bon matin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le début d'un nouveau week-end vlog où on va être sur la route en tabarnouche. Puis c'est ça, là, je viens de finir le montage de mon vlog. Il est 7h55. Je suis proud of me. Aujourd'hui, il faut que j'aille chez ma belle-mère continuer ma couleur. Il faut que je fasse mon lavage de couche. Faut que je fasse un lavage pour nous, pour Jérémy, moi, Zach et Jackson. Puis alors d'habitude je sépare le linge de nous puis de Jackson parce que Jackson, il prend du savon à linge pour bébé. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais laver notre linge avec du Tide en poudre, ce que je prends pour laver les couches. En gros, fait que il réagit pas à ce savon là. Puis nous, ben c'est correct aussi. Fait que je pense que je vais faire une grosse brassée parce que ça me tente vraiment pas de faire deux brassées, surtout que là je vois pas, j'ai l'impression que j'aurai pas le temps. Puis ça se pourrait peut-être que finalement Jérémy finisse de travailler genre à 3h. Fait que t'sais, si finalement à 3h, on va partir d'ici vers 3h30, 3h45 là, t'sais. Fait que là ça m'enlève encore comme 2h sur mon planning. Puis chez ma belle-mère, ben t'sais, moi j'y vais ce matin là, pour pas niaiser avec ça là. Fait que voilà. Donc on dirait que je m'habitue à mes cheveux, mais on dirait que je trouve pas comme ça encore comme parfait. Parce qu'il manque vraiment de la couleur. Fait que. En tout cas. Donc, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai déjà déjeuné, mais pas là. J'ai mangé genre une barre cliff, là. Puis, c'est ça. J'ai comme. Moi, ça serait que de moi, je partirais chez ma belle-mère, genre live, mais. Faut que j'attende que la pharmacie soit ouverte. Puis, je pense qu'elle ouvre à 10h. Et à 9h, j'en ai bon, là, je sais pas. Puis, parce que toute ma belle-mère, je sais qu'elle se réveille comme vers. 7h30, 8h, c'est pas ça le problème, c'est juste que. Hey! Il y a quelque chose qui s'est passé sur mon ordi, là. Genre, tout s'est effacé. Genre, mettons là, Google, tu sais, j'avais comme mes pages visitées, là, tu sais, fait que j'avais YouTube en raccourci, pis tout, j'avais ma page de... pour écouter Riverdale, pis tout. Mais, j'ai tout pu ça. Genre, mon ordi a comme reset après la panne d'électricité. Fait que j'étais bien off. Ouais, ça rouvre à 9h. Fait que faut que j'attende à minimum 9h, mais là même là, ça me donne quand même 1 heure pour faire mes affaires. Hein. Partir ma brasser, genre. Ah, oh, check ça, comment c'est beau! Je trippe. Alors, c'est ça, donc si je veux pas que mon vlog dure après 40 ans, on va se reparler tantôt. Parce que ça, ben, ça risque d'être comme un long vlog, mais pas en même temps, parce que tu sais, je vais souvent genre avec ma famille, pis tout, fait que je vloguerai pas genre tout le temps. Mais c'est ça. Fait que là aujourd'hui on fait Gatineau-Sherbrooke. Demain on fait Sherbrooke-Optune. On retourne à Sherbrooke pour dormir. Après ça on repart de Sherbrooke, on va à Green Bay. Après ça on part de Green Bay, on va à Terrebonne, souper chez ma belle-sœur. Après ça on part de Terrebonne, puis on revient ici dimanche. C'est ça. C'est notre planning de la fin de semaine. Donc là-dessus, je vais vous souhaiter une belle journée. Puis nous on va se reparler tantôt. Voilà mes cheveux terminés! Là, ils sont encore mouillés par exemple. Ben, mouillés, humides. Fait que c'était plus de mettre à la lumière du jour. Fait que, ouais, ça a l'air d'être ça. On a été capable d'aller. Ouais, peut-être chercher mes mèches blondes pis toutes que j'avais. Fait que je suis bien contente. Mon dieu, je suis fait. J'ai reparti ma deuxième brassée de couche. Désolée. Donc c'est ça, là il est rendu 11h30 déjà, puis Jackson a comme fait une sieste chez ma belle-mère de comme 20 minutes, on sait même pas s'il a dormi. T'sais, en tout cas, on a comme été un bon 20 minutes à pas l'entendre, mais peut-être qu'il faisait juste comme être assis dans le lit puis genre rien faire là. Okay, désolé, je pense autant regarder mes cheveux, mais c'est ce que... C'est quand la première fois que je les vois vraiment comme moi-même, tu sais, j'ai pas été voir dans le miroir là. Ouais, fait que je suis bien contente. Puis, hey, regardez ça, ok? J'étais allée à la pharmacie, premièrement, avec genre ça ici, là. Je sais pas si on peut bien voir, là. Tout ça ici, les sticks de Grishmout de teinture. Puis, en faisant mon rose, on m'a taché là. Puis, on m'a taché là. Puis, mes lunettes. Fait que, tantôt, je vais aller faire mon exfoliant, là. Ça devrait pas mal tout partir. Fait que, c'est ça. Donc, là, 11h30. Je commence mon ménage parce que mon ménage est dégueulasse. Genre. J'ai vraiment plein de choses à faire. Puis après ça, je vais aller coucher Jackson pour comme une sieste après-midi, mais vu qu'il a comme pas vraiment dormi ce matin, il risque de dormir. Il est rendu 1h10, ouais, à peu près.
Et là, je suis en train de faire du ménage, puis il y a un monsieur qui m'a appelé tantôt parce qu'ils sont venus livrer les pneus, ça a l'air, pendant que j'étais pas là. Fait que vu qu'il y avait besoin d'une signature, parce que c'est quand même comme une commande de comme 280$, là, il y avait besoin d'une signature, fait que vu que j'étais pas là, super fine, ma voisine, elle a signé à ma place, puis elle a mis les pneus dans son garage. Fait que c'est ça, fait que tantôt on va. Je vais juste aller la voir puis on va transférer les pneus ou je vais attendre justement que Jérémy arrive ce soir là, pour que, qu'il le fasse lui-même là. Alors voilà, là, je suis en train de ramasser, c'est fou toutes les maudites cochonneries qui traînent à terre là, ça a comme aucun bon sens. J'ai tellement l'impression de comme. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir comme fait un espèce de gros laisser-aller, genre. Mais pourtant j'ai fait du ménage hier là, tu sais. Puis, tu sais, ça m'a fait comme un peu chier que je parte pendant comme 3 heures puis que Jérémy, il fasse comme pas de ménage, là. J'étais comme... Tu sais, les gars se sont couchés quasiment aussitôt que je suis partie, genre, pourquoi t'as pas fait de ménage, mais... Il a gamé puis écouté ses mots de niaiserie, fait que... Voilà. Donc là, ce qu'il me reste à faire... là, je suis allée porter ma brassée de couche dans la sécheuse, fait que quand ça va sonner, je vais aller ouvrir comme la porte de la sécheuse pour les laisser refroidir. Alors ça, je vais les monter. Après ça, faut que je fasse les bagages, mais tout le linge est propre, fait qu'il me reste juste à plier, mettre ça dans des sacs, puis à comme ramasser le reste, tu sais, genre les gels douche, les déos, les mon maquillage, ces affaires-là. C'est ça, là, tu sais, ça ressemble pas mal à ça, là, fait qu'il me reste plus grand-chose à faire, mais j'ai aucune motivation pour rien faire, puis on dirait que, tu sais, il est comme juste une heure, mais là, on dirait que je me dis, j'aurais pas le temps de rien faire, genre. Mais oui, je vais avoir vraiment le temps, puis tu sais, je peux bien envoyer Jackson pis Zach jouer dans le sous-sol le temps que je vais plier mon linge puis que je vais monter mes couches, là, genre. Puis mes couches, j'en ai pas tant pour eux, je pense que j'en ai comme 10-12 à monter parce que j'en ai plein de propres, mais vu que je veux toutes les amener en fin de semaine, ben, tu sais, il fallait que je les lave toutes, là, dans le fond. Alors, c'est ça. Donc là, mon salon a bien plus d'allure qu'il y avait, mais j'ai pas encore passé mon balai ni rien. Puis ma cuisine, ben il me reste ma balayeuse qui traîne, puis 3-4 affaires sur ma table. Puis ma ben c'est ma salle à manger, là. Puis ma cuisine a encore de l'air de ça, là. Puis ma poubelle, faut vraiment j'aille l'acheter. Ah, puis il me reste à faire la litière des chats aussi. Pour qu'ils partent dans un environnement propre et sain, qu'ils passent la fin de semaine dans un environnement propre et sain. Je suis tannée. J'ai déjà le goût de m'asseoir et de rien faire. Mais voilà, donc je continue mes trucs, puis nous, on va s'en parler tantôt. Il est rendu 2h10, puis j'ai plié mon linge, ben tout le linge, fait que tous les bagages pour pas mal tout le monde sont prêts. Faut juste que je mette ça dans des sacs, là, mais c'est vraiment pas grand chose. Hey, c'est tellement laid mes cheveux, hein? Je me rends compte depuis tantôt que c'est vraiment laid. Fait que là, Jérémy a déjà fini de travailler. Fait qu'on va pouvoir partir plus tôt. C'est vraiment hot. C'est juste que, tu sais, c'est sûr et certain qu'on est dans le trafic, là. Parce que dans le fond, si on part, comme quand Zach arrive, mettons, on part à 3h parce qu'il faut faire un arrêt en pharmacie, ben, tu sais, on va être à Sherbrooke comme à 7h ce soir. Hey, c'est décrissant à dire, pareil, hein. On part d'ici à 3... Non, c'est 3 heures de route. 4 heures? Non, c'est 3 heures de Green Bay. Fait qu'il y a comme un 40 minutes de plus pour aller chez son père. En tout cas, bref, si on prend du trafic, ça va peut-être prendre comme 4 heures. Fait qu'on va arriver chez son père genre à 7 heures le soir. Oh, c'est décrissant. Mes cheveux sont pas brun foncé en haut. C'est vraiment gossant. En tout cas, j'aurais peut-être été obsédée par mes cheveux. Fait que là, je vais faire la litière de mes chats. Puis après ça, là, Jackson dort, là. Fait que... Il faut que je vais le laisser dormir, là. Puis ça, quand Jérémy va... Si j'ai pas fini quand Jay arrive, il va m'aider à faire les bagages. Fait que, voilà. Donc là, je m'en vais faire mes litières. Puis nous, on va se reparler. Je vais dire demain, parce que ça m'étonnerait que je vlogue sur le chemin, là. Puis c'est ça. Puis il va sûrement falloir que je plie mes couches, genre, en chemin. En tout cas...
Elle a un coup de tenue, ça me tombe. Salut, on est lundi. Il est tard, là, il est 4h35. Puis, c'est ça, je voulais prendre le temps pour vous parler parce que j'ai vraiment pas beaucoup vlogué en fin de semaine. Dans le fond, j'ai vlogué vendredi avant qu'on parte. On est parti vendredi, il était 3h30 à peu près. On est arrivé à Sherbrooke, il était rendu 7h30, 8h moins quart à peu près. Et là, on a passé, on a dormi, on a passé l'avant-midi chez le père à Jérémy. Après ça, on est parti souper chez ma grand-mère. Après ça, on est revenu à Sherbrooke. Le dimanche, on a passé une petite partie de l'avant-midi justement avec eux. Mais on avait un baptême en début d'après-midi. Fait que là, je suis descendue à Granby pour aller au baptême. Bon, pour aller au baptême à mon neveu. Puis c'est ça, fait que c'était une super belle cette fin de semaine, on a eu vraiment du fun. Mais elle a été vraiment comme épuisante, là, tu sais, au début, tu sais, quand t'es dedans, tu t'en rends comme pas trop compte. Ah, puis en revenant, après le baptême, on est allé souper chez ma belle-sœur, à Terrebonne. Donc c'est ça, fait que tu sais, sur le coup, tu te dis pas comme à quel point c'est épuisant puis tout, mais c'est vraiment épuisant, là. Fait que, ouais, en tout cas. Donc je lève ça, venez vous parler un peu parce que... Samedi, j'ai filmé le défi tête rasée au camping à ma grand-mère. Puis hier, j'ai absolument rien vlogué. Donc, c'est ça, là, tantôt, on a. Là, la petite à mon beau-père est ici parce que. On voulait coucher Jackson ici, là, pas là-bas. Puis tout, là, fait qu'en tout cas. Parce qu'on est allé voir ma belle-mère le matin, puis qu'elle travaillait ce soir. Puis c'est ça, fait qu'on l'a ramené ici, là, pour qu'elle puisse jouer avec Zach. Puis Zach, à sa fête, a reçu plein de jeux d'eau. Pour qu'on plug sur la hausse, genre, pis qu'il peut jouer. Ça fait des jeux d'eau dans le fond. Pis on les a tous essayés, on a tous essayé ceux qu'il a reçus. Pis ils ont eu bien du fun, là. Fait que c'est ça. Mais là, j'ai comme fait des stories Instagram, là. Je les enregistre, au pire, je vous les mettrai, là. Mais c'est ça, fait que. En gros, c'est ça. Mais je voulais vous montrer un truc, là, dans le fond. Au défi tête rasée, il y avait des madames qui vendaient du Tupperware. Ce que j'ai vraiment pas trouvé nice parce que je trouvais qu'ils profitaient en maudit de la place pour genre. T'sais, c'était comme le défi tête rasée là, je veux dire, tu viens pas vendre ton Tupperware là, t'sais. Mais en tout cas, mais ils vendaient des bouteilles d'eau que je voulais full. Fait que je me suis pris la bouteille d'eau de même là. Là, comment qu'il s'appelle? Echo. By Tupperware. Mais c'est ça, c'est la grande là, elle est vraiment comme. Elle est vraiment big là, la bouteille. Puis il restait comme rose, jaune ou bleu. Puis là, j'ai dit à Jay, genre, prends-moi n'importe quelle parce que. La madame était là genre ah oh, avez-vous t'sais, voulez-vous payer comme 5$ comme voulez-vous payer 5$ pour courir la chance de gagner 250$ de Tupperware non, non. Là j'étais genre à quel point ça m'intéresse pas t'sais. Fait que j'étais comme ah oh, non ce que j'ai pas d'argent sur moi t'sais. Fait que là ça je vois les bouteilles j'étais là ben là je peux pas lui dire que je peux pas aller donner 20$ genre en lui disant que j'avais pas d'argent sur moi là t'sais. Mais en tout cas, finalement c'est Jérémy qui était à ma place, fait que j'ai dit comme prendre n'importe quelle couleur, je m'en fous. Fait que c'est pour ça, là, il a pris la bleue parce que le bouchon il met du rose dessus. Donc voilà, puis j'étais allée à la vie en rose, puis je me suis acheté deux brassières que je pourrais vous montrer, là, mais en tout cas j'en ai une qui est dans un sac dans les châles, là, fait qu'en tout cas, je vais vous les montrer peut-être à un autre moment donné. Mais j'ai été vraiment conne parce que d'habitude j'achète jamais mes brassières chez la vie en rose, mais là on était vraiment pressés, la ceinture était comme à l'autre bout, puis tout, fait que j'ai pas gossé. Fait que j'ai pris la vie en rose, mais tu sais, j'ai pris la même grandeur que je prends à la Sanza. J'ai pris la même que je prenais à la Sanza. Fait que. Ouais. Ça me fait. Genre, elle me fait mes pas, là. Genre, être trop serrée comme d'ici, là, tu sais, là. Fait que, en tout cas, j'aurais dû prendre un point de plus, mais en tout cas, ils vont s'agrandir avec le temps, là, ça, je me dis. Parce que j'ai enlevé les étiquettes, pis tout. Fait que. Ouais. J'aurais peut-être dû les essayer. Pis voilà. Donc là, ça fait comme 4 minutes que je parle. Mais on a commencé 13 Reasons Why cet après-midi. Ben, un matin plus, pas cet après-midi. Parce que justement, tu sais, ça a sorti vendredi, puis on était parti, puis tout. Ouais, fait qu'on a commencé ça, puis à date, on aime bien ça. Mais
ça a l'air que c'est une saison quand même un peu rough, là, mais ben, la première, elle était aussi, mais en tout cas, bref. Donc voilà, c'était mon petit blabla que j'avais à faire de ma fin de semaine. Bon, ça a été vraiment le fun, mais t'sais, on la referait pas la semaine prochaine. Là, cette fin de semaine-là, là, c'était une chance qu'on avait lundi de congé, mettons. Là. Ben, on avait. Moi, je suis comme toujours en congé, mais t'sais, une chance que Jérémy était là aujourd'hui, puis tout, on a pu bien reprendre. Zach, t'sais, pas aller à l'école, puis tout. Ouais, donc c'est ça. Fait que je vais vous dire à tantôt. Désolée pour mon absence de ce vlog-là, là. C'était vraiment pas le but, mais ma caméra était tout le temps dans mon sac ou des affaires de même. Là. Fait que je pensais trop pas, puis hier pourtant, t'sais, c'était une belle journée au baptême, j'aurais pu filmer plein de choses, mais c'est ça, j'y ai pas pensé. Donc voilà, fait que je vais vous dire à tantôt, puis on va sûrement se reparler là, plus tard dans la soirée, parce que la petite elle va rester à souper sûrement, là, mais après. Fait que voilà! Salut, il est rendu 9h, mais je m'en vais me coucher, je suis brûlée. Hier, t'sais, j'ai fait, il y a comme une nouvelle mise à jour sur la Fitbit. Ça fait que ça regarde ton sommeil, genre, juste sur le fait que tu portes la montre, d'habitude, il faut comme t'actives le mode, t'sais, je commence à dormir maintenant, puis tout blabla. Mais là, ça le fait tout seul, puis ça dit que la nuit passée, j'ai dormi 3h09, puis que le restant, j'ai juste comme... été réveillée, mais que j'ai tourné dans mon lit, là, tu sais. Ouais, fait que c'est ça. Le désir, c'est le focus, c'est pas bon, puis tout là, l'éclairage est vraiment merdique. Mais c'est ça. Fait que je suis brûlée, on est en train d'écouter 13 Reasons Why, puis je m'endormais, là, solide sur le divan. Fait que c'est ça. 9h, j'ai me couché, mais ça va faire du bien. Puis voilà. Donc, là-dessus, ben moi, je vais vous souhaiter bonne nuit. J'espère que vous avez aimé ce week-end vlog un peu weird, court, bizarre, mais c'est ça. Donc nous, ben, on va se revoir demain. Bye!